Yo les S3 Family, comme prévu, voici le S3 Freestyler du jour du tuto précédent. Si toi aussi tu veux passer dans une de nos vidéos, pense à poster la tienne avec le hashtag S3School. Bang! Yo, c'est la team S3 et aujourd'hui c'est la S3 School. Et comme chaque semaine, vous venez apprendre des gestes de folie. Et aujourd'hui, on va apprendre le clipper. Allez, c'est parti, hein. S3 School. Ok la famille, aujourd'hui on va apprendre un geste qui est très utilisé dans le monde du freestyle, le clipper. Mais c'est quoi le clipper? C'est un amorti de la balle avec le côté intérieur du pied. Ok les futurs freestylers, aujourd'hui on va vous montrer comment on a appris le clipper. Tout d'abord, on va se débarrasser du ballon. Ok, pour avoir ce geste, il faut assouplir la cheville. Regardez bien comment faire. Ok, t'as vu poteau? Il faut que ta cheville soit le plus droit possible. Et maintenant mon gars, tu peux commencer à apprendre le clipper. On passe à l'étape 1. Étape 1. Donc tu dois placer la balle du côté de ton pied faible et orienter ton corps de la même façon. On passe à l'étape 2. Étape 2. Ok les gars, une fois qu'on est placé comme Mélodie, on fait rebondir la balle et on va amortir le ballon avec son pied fort. Donc regardez bien, une fois que j'ai amorti, mon pied d'appui, il fléchit. Il descend pour amortir la balle et la récupérer. On essaie avec un rebond. C'est parti, maintenant on passe à l'étape 3. Étape 3. Ok, maintenant les gars, l'étape 3 c'est facile, on va le faire en jonglant. C'est parti, travers, tac. Jongle, tu vois, tranquille, t'es bien posé. Tac, hop, tu clips, tu vois. Hop, alors tu refais, hop, tu clips, tu vois. Hop, on refait, hop. Non, c'est facile, c'est trop facile pour moi. Maintenant c'est à toi de jouer et c'est parti mon gars. Tu vas t'entraîner et tu rigoles pas, ok? On passe aux astuces. C'est parti. Ok, la première astuce, ne quitte jamais la balle des yeux. Jamais, jamais, tu vois, jamais, jamais, jamais. Eh mais gros, t'as pas une autre astuce? J'ai une autre astuce, regarde bien. En fait, tu vas lifter le ballon. Tu vois, regarde bien. Tu liftes, t'amortis. Lift et t'amortis. Comme ça, le ballon il va se poser tranquillement, tu vois, avec le lift là. Ça va faire tic, bam. Et là, t'as compris. Eh gros, t'as pas une autre astuce là à m'apprendre? Eh ouais, mon gars, astuce numéro 3, elle est très simple. Pour apprendre le clipper, moi je la prenais à la main, j'amortissais et hop, je m'arrêtais jamais. Ah ouais, non, lourd ton astuce. Et ouais mon gars, ah non, t'es bien, une là. Fois que t'as fait ça, tu le refais, tu le refais, tu le refais et forcément il va rentrer dans ton corps ce geste. Donc tu essayes, tu essayes, tu essayes. Allez. Ah ouais, non, lourd. Vas-y, ah, je peux essayer s'il te plaît? Même de l'autre côté. Je peux essayer? Merci. Donc moi mon astuce ce serait plutôt avec le slap, je trouve ça un peu plus simple. C'est parti pour le Cypher Time. Allez. La S3 School, on espère que vous avez kiffé ce tuto. N'hésitez pas de mettre le hashtag S3 School. On reposte vos vidéos sur Instagram et Twitter. Tu envoies ta vidéo et la semaine prochaine tu seras dans notre vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et abonne-toi.